générale qui concernait justice, et notamment dans le sens social, justice sociale. Dans le cas ça, rapport que nous avons président, il n'est pas cerné problématique là, puisque mot handicap là, ou bien handicap là, nous pas prendre dans différents aspects que le capable présenter dans la société. Il y a un handicap physique, un handicap auditif, et qui sont l'âge, femme enceinte, et même des objets lourds pour voyager. Donc tout ça, c'est capable de créer une situation et qui permet de gagner un traitement que, qui a fait ou senti ou humilié dans le sens de discrimination et discriminatoire, ou bien ou qui a senti que ou intégré ou senti ou valorisé dans la société. Dans le cas ça, et président, par exemple, comment je dis à la question ça, et ma première intervention collective tout à l'heure sur la question de la mairie. Maintenant, si m'envisager construction, qui moun ki la qui autorise construction? Donc, son pouvoir local créé la mairie qui gagne autorité ça. Or, dans le rapport, pas de côté, il fait référence à un tel pouvoir qui régule la question de construction. Donc, ça, bon, c'est ça son problématique que le rapport lui-même n'est pas. Valérie Exantus, attendez qu'on arrive dans le texte. Nous n'en question rapport à président. Non, nous n'en rapport. Ma parole c'est mentionné dans le texte. Quelque c'est part. C'est une problématique. Ça d'ailleurs. Dire lors d'un rapport, c'est une réflexion. C'est traité dans le texte. Ils sont réflexion, non, synthétique de un ensemble de travail qui fait quelque part. Et même si beaucoup arrivé, n'est capable de dire non détail texte là, mais en gros, moi saisis ça qui dans le rapport. Avez-vous des considérations sur le rapport qui a été oui, c'est sur le rapport, président. Par exemple, président, il est tellement clair que par rapport à la problématique qui a traité, on parle de majorité des personnes handicapées. Or, le fait que vous passionnez les questions handicap là, ou bien les questions handicapées, vous êtes à quelle page? Moi, à la page 4. Et notamment, ça concerne les conclusions. Et première phrase de la conclusion, président. Maintenant, président, m'a retourné dire comme dit président que là on dit personne handicapée, il y a différents aspects la donne. Il pas seulement concerne les personnes à mobilité réduite, par exemple en femme enceinte, mon qui gagne objet ou qui voyager, tout ça il fait partie de questions handicapées que n'a pas l'air. Et l'autre considération fait encore président, le fait que nous notre société qui déjà construit un ensemble d'environnement et physique bâti dans sens ça pour rapport à pas bon aux transitions qui allait qui pour dire moi que ensemble de ça qui fait déjà yo, mais comment que texte ça lui-même li abordé qui fait que même si beaucoup rentrer dans détail texte ça mais mon capable défendre texte ça à partir de lecture et de compréhension dégagée de rapport ça que yo présenté que yo est présenté ensemble avec le président. Donc merci dans sens ça et président pour terminer faut et dans sens ça pour terminer président un rapport à pas une cour de transition ça que n'a pas l'air pour éviter créer on l'état en dans l'état et deuxièmement rapport tout parcerner toute importance que on pouvoir public jouer dans question autorisation pour la construction qui c'est la mairie même si beaucoup rapport il pas dit bâtiment du tout la parole donc je souhaitais que vous teniez compte de ça du président. Merci en plus. Merci et je rappelle que c'est la dernière intervention dans cette série donc nous allons permettre après au commissaire de réagir. Merci. Monsieur le Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, membres de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Ministre, membres du cabinet du ministre. Monsieur le Président, je rejoins les préoccupations de mes collègues et l'humérant Rénal Exantus. Je m'attendais à voir dans cette salle les ministres des TPTC, celui de l'Intérieur et Madame la ministre des Affaires Sociales, puisque il est vrai, Monsieur le Président, c'est Commission Affaires Sociales qui travaille sous texte ça, mais comme cela a été dit, il s'agit là d'un projet transversal. Il ne s'agit pas pour notre Assemblée, Monsieur le Président, pour nous voter
Oui, c'est important de voter. Il faut savoir, Monsieur le Président, et je crois que c'est secrétaire d'État, personne handicapée, cap et démentinou, c'est une institution étatique qui l'a pour faire la promotion, pour défendre, en d'autres termes, droit mon handicapé. Mais ça, s'agissant des besoins, des investissements qui doivent être consentis pour rendre opérationnel ou pour accommoder infrastructures, nous le savons pertinemment, ce n'est pas secrétaire d'État aux personnes handicapées qui prend le fait. Si Texa l'y visait effectivement pour que nous mettions en condition, ça aurait les normes d'accessibilité de l'environnement bâti, moi, quoi, l'important dans l'ensemble de questionnements, d'ailleurs, dans les travaux de la commission, est-ce que y a eu des échanges avec le ministre PTC de l'Intérieur, etc. Et il est dit, Monsieur le Président, à la page 4 de ce rapport, l'économie elle est retombée de la loi. Commissaire reconnaît si l'application de cette loi engendrera des coûts en termes d'aménagement, elle amènera aussi des retombées positives relatives à l'amélioration de la qualité du cadre bâti. Cela va de soi. Donc, fort président, nous gagnons la présence de ces autorités chargées des questions d'infrastructure dans ce pays, et même pour le ministère des Affaires sociales, là encore, pas quoi ministère, c'est ministère de tutelle qui peut être occupé de monde qui est handicapé, mais ce n'est pas ministère ça qui gagne un budget de fonctionnement ou qui gagne politique en thème de construction de bâtiments. Donc, président, moi-même, je n'ai pas absolument aucun problème que nous cheminions dans le cadre de ce rapport, mais et moi, quoi, il est de bon ton pour ensemble de questions qui gagnent. Motion accordée au député Patrick Lozéus de Bader. Monsieur le Président de la Chambre des députés, Madame et les membres du bureau, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, collègues de la Commission, honorables collègues de l'Assemblée. Je gravis la tribune simplement pour faire une simple remarque. Il s'agit d'une loi de protection sociale. Il est vrai qu'en général, les textes sont transversaux. Ce n'est pas parce qu'il y a des aspects qui concernent le ministère des Travaux publics ou il y a des aspects qui concernent le ministère de l'Intérieur. Je pourrais dire le ministère des Finances aussi, puisqu'il faudra de l'argent, il faudra des fonds. Je pourrais dire le ministère de la Planification aussi. Il faudra des fonds, il faudra pour investir dans... C'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire que, pour soutenir ce texte par devant l'Assemblée, que le ministre des Travaux publics soit là, que le ministre... Ça, ce sont des aspects transversaux du texte. À savoir qu'il y a un aspect... Non, il y a un aspect bâti, il y a un aspect... Moi, je crois que... S'il vous plaît. Je crois que c'est un texte qui concerne le ministère des Affaires sociales et c'est bien que ce soit la commission des affaires sociales de la Chambre qui est examiné et préparé le rapport concernant ce texte. Donc on pourrait voir, il y a beaucoup de ministères qui vont être concernés par ce texte, mais en gros, c'est un projet de loi de protection sociale. Et ça concerne les affaires sociales. Même si certains aspects vont concerner les travaux publics, planification, finances, etc. Monsieur le Président, merci de terminer, s'il vous plaît. Je terminerai, Monsieur le Président. Peut-être je n'ai pas la même compréhension ni la même lecture que mon collègue. Ça n'est pas un texte de protection sociale, collègue. Collègue Nozéus, ça n'est pas un texte de protection sociale. Je ne sais pas ce que vous entendez par protection sociale. Non, je suis désolé. Ça n'est pas un texte de protection sociale. Il est fait obligation à ce que l'État prennent des dispositions par rapport à une catégorie.
sociale bien spécifique. Donc, leur problème de protection sociale, ils ont parlé là. D'handicapé. D'accord? Donc, collègues, nous avons gagné 12 janvier qui passait, gagné de dégâts qui fait. D'accord? Gagné de dégâts qui fait. Et qui c'est comme ministère qui avait pour responsabilité de travailler à ce que nous puissions réguler cette situation? Ce n'est pas affaire sociale. Donc, c'est ça que fait, nous disons, dans le cadre de cette loi, il aurait été nécessaire que nous ayons présence Mounsayola, puisqu'il ne s'agit pas qu'on ait un socle législatif, et puis c'est comme si pour l'antiwa, pas grand-chose pour le faire. D'accord? Donc, vous allez toujours entendre le secrétaire d'État se plaindre. Bon, écoutez, tel bagaille doit faire. D'ailleurs, si il y a quelques bagailles qui fait déjà par rapport à quelques écoles publiques, le secrétaire d'État est là pour en témoigner, c'est grâce à l'USAID. C'est même pas dans le budget de l'État. Or, il s'agit d'une démarche républicaine pour que l'État lui prend en charge Mounsayo pour que gagne un environnement s'agissant des normes d'accessibilité. Monsieur le député. Donc, monsieur le président, comme moi dit précédemment, plaise à l'Assemblée de trancher sur le rapport, mais on croit que gagner des réponses par rapport à budget, coût en termes de qui échéancier l'État a baillé tête, parce que depuis 12 janvier, nous constatons que pas grand effort qui fait en ce sens. Merci. Donc, merci, monsieur le président. Place au commissaire. Et je rappelle aux différents collègues qui viennent d'intervenir que l'exécutif s'est fait représenter par madame la ministre et le secrétaire d'État. La parole au commissaire. Merci, président. Je vais d'abord réagir par rapport à l'intervention de mon voisin, le collègue Abel Descollines. Et moi, je voulais préciser pour collègue moi et pour toute l'autre collègue qui a abondé dans le sens que l'autre ministère qui concerne Otadouela, surtout collègue Abel Descollines, souhaite faire mention du fait que pour loi appliquée, donc il faut que l'autre ministère yo impliqué, nous d'accord, mais cependant, n'a pas précisé pour collègue yo que dans le rapport, nous mentionner que texte ça avant que li vini dans le parlement li était accepté en conseil des ministres, donc ce qui implique que tout ministère qui concerné là yo sanctionné texte là parce que le texte a été accepté en conseil des ministres. Et en ce qui concerne l'application de cette loi, m'a invité collègue à aller dans la Constitution 1987 amendée dans l'article 169 qui précisait que les ministres sont responsables des actes du premier ministre qu'ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l'exécution des lois. Article 169 là, il précise ça. Ministre, yo solidairement, même le ministre santé publique là, il pas concerné par loi ça, il responsable collègue Abel Descollines application loi. Je fais place aux autres membres de la commission, aux autres commissaires pour la suite des réponses à vos préoccupations. Merci collègue. En guise de réponse ou du moins c'est lumière sur les remarques du collègue Lemeran, il faut dire que la commission prend note de ces erreurs matérielles qui existent entre sur la question du nombre de visas. Il faut dire que ce sont des erreurs matérielles que la commission promet d'apporter des corrections nécessaires et rapport à ces visas. Donc on va accorder
le temps au collègue Exinor de répondre aux questions. On parle de combien, de 13 ou de 11? Il y a 14. Il y a combien? Il y en a combien? Il y a 11. Donc 3. Il s'agit de 14 visas. Poursuivez. Merci. Honorable président, oui, collègues de l'Assemblée, et nous pourrons aller exactement sur l'intervention collègue Exantus. C'est vrai que nous-mêmes en commission, nous pas qu'à prendre place exécutif là. Nous-mêmes en tant que législateurs, nous là pour nous voter loi et c'est exécutif là qui a pour obligation pour faire application loi. L'elle relaté sur question Mériot. Mériot effectivement vrai que une entité qui est important dans maillon l'État, mais au moins yo doit aller exactement sous ça au gain comme responsabilité et c'est sous ça au gain c'est loi qui ba ou qui ça doit faire ça va doit faire. En fonction du document, les nous entrons dans le document, dans le texte de loi, les nous voter, nous allons regarder pour nous voir qui responsabilité que nous avons et immédiatement que loi a fait une photo bien publiée, laisse à chaque monde apprendre responsabilité. Là, nous pas obligés pour aller, et pas nous pour consulter, c'est pas nous pour te voir, c'est pas nous pour travailler avec eux pour faire proposition de loi, c'est une proposition de loi qui sortit exactement d'exécutif là, un projet de loi qui sortit exactement d'exécutif là, nous-mêmes nous faisons travail nous en tant que parlementaires, mais nous pas prendre place d'exécutif là. Merci. Je demande aux collègues de l'opposition de un minimum de sérénité. Merci. Collègue Alfredo du pouvoir également. Merci. Minimum de sérénité. Et sur ce, la parole est accordée au député Bossé. Bossé, Jean-Aubert Bossé d'Aquin. Merci, président. Collègue. Un instant. Député, mon bureau. Collègue commissaire, Madame la ministre des Affaires sociales ou d'Haïtiens vivant à l'étranger? N'importe. C'est Affaires sociales ou Haïtiens vivant à l'étranger? Affaires sociales? D'accord. Affaires sociales. D'accord. Non, bon. Il faut être avisé. Bossé. D'accord. Affaires sociales. D'accord. Collègue Bossé, s'il vous plaît. D'accord, collègue. Donc vous acceptez qu'elle occupe encore les deux espaces. D'accord, ok. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en dépit des remarques pertinentes des collègues qui m'ont précédé, collègues des collines, Luméran et les autres, en ce qui a trait à la présence des autres ministres pour supporter ce projet de loi. Pas bral tourner sous lit, même quoi c'est des remarques pertinentes, Monsieur le Président. Mais moi, t'as voulu tout d'abord faire remarquer au président de la Commission, tout à l'heure qui a parlé de solidarité gouvernementale. Je pense que vraiment, il se perdu, parce que ça, ce n'est pas une explication à l'esprit de la Constitution en ce qui a trait quand la Constitution parle de solidarité gouvernementale. Il est passé totalement à côté du sens de cette histoire-là. Monsieur le Président, c'est vrai qu'on travaille intéressant que la Commission a fait, mais moi, un petit genre, texte a posé un peu le problème, Président, si dans le cas où l'ensemble de collègues vont l'adopter, mis à part si les... Oui, je suis encore dans le rapport. Si les remarques que collègues vont faire n'ont pas retenu l'attention de la majorité de mes collègues, donc nous voulons éviter que texte a passé dans la forme que l'il y a.
Monsieur le Président, à la page, malgré que vous n'avez pas paginé texte, moi-même, je mets le numéro sur vous, dans la première page là, deuxième paragraphe, l'exposé des motifs de ce projet de loi est en origine l'exécutif. Un instant. Je demande au commissaire de suivre attentivement l'intervention du collègue Bossé, car vous aurez à réagir. Merci. Poursuivez. Merci, Président. À la première page, le premier paragraphe, l'exposé des motifs de ce projet de loi, ayant pour origine l'exécutif. Donc, M'père du Président, projet de loi sorti dans l'exécutif. Donc, retirez par ça, ayant pour origine l'exécutif. Monsieur le Président, moi appelé encore dans le dernier paragraphe là, l'avant-dernière phrase. En termes d'appréciation et de fiabilité, les commissaires ont considéré le parcours du point de vue des procédures législatives que le texte a dû réaliser avant d'arriver à la Chambre des députés. Ça, Monsieur le Président, il faut l'enlever. Quoi ? C'est dernier paragraphe à la première page, l'avant les deux dernières phrases du dernier paragraphe dans la première page. Là. Président m'a continué pour me dire à la Chambre des députés. Point. Ils ont également jugé de l'opportunité du travail préliminaire effectué par l'exécutif qui avait jugé utile de requérir l'avis de certaines personnes, etc., etc., des acteurs de la société civile organisée qui sont au premier chef visé et intéressés par la question d'accessibilité de l'environnement bâti, des différents corps de métier, notamment le Conseil national des ingénieurs et architectes haïtiens et d'autres associations avant d'être accepté en conseil des ministres, etc. Monsieur le Président, c'est de trop. Il faut enlever toute cette merci, histoire. Merci, collègue Bossé. Monsieur le Président, je termine avant pour dire, collègue commission en patte dans le conseil des ministres, il patte dans rencontre avec l'Assemblée. Il faut les enlever, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas présenter un rapport comme ça devant vous. Mais mis à part des remarques pertinentes de mes collègues qui m'ont précédé, et j'aurais souhaité que l'Assemblée, dans son entièreté, retienne les remarques de mes collègues qui m'ont précédé. Merci, collègue Bossé. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègue Bossé. Collègue Jean-Étienne, s'il vous plaît. Collègue Jean-Étienne, s'il vous plaît. Merci. Et nous demandons au commissaire. Nous demandons au commissaire de prendre note, s'il vous plaît, parce qu'il y a un ensemble de considérations qui ont été soulevées par les honorables députés Luméran, Bossé, Baudelaire, Bélange, Beauville et Exantus. Ces considérations sont judicieuses. Donc, sur ce, je rappelle que le rapport de la commission va être mise au vote, mais avant, je donne une dernière intervention au commissaire. Donc, place à la commission. Merci. Merci, Président. Comme Jean vous a signalé tout à l'heure, nous prenons note et nous essayons de garder tout le temps sa collègue Bossé ou bien collègue Luméran, collègue Exantus et collègue Baudelaire, sont mentionnés. Et nous-mêmes, au niveau commission, nous mentionnons lui et sous base ça, nous, Madame le Président, passer rapport au vote. Merci. Et c'est un instant, s'il vous plaît. Un instant, la parole accordée au député Bélange et Bogé. Après ces deux interventions, nous allons
consulter l'Assemblée sur le rapport. Merci. Merci, merci, président, président, mon bureau, collègue de l'Assemblée, madame la ministre, monsieur le commissaire. Et alors, collègue, je vais me parler sur la question pédale. Là, je me dis, je vais parler, déjà bien que le président va quitter me parler. Donc, oui, nous sommes rapport là, mais il faut qu'on ait un sapit de problème dans le moment, président. D'ailleurs, nous devons faire trêve aujourd'hui là, pour que nous ne puissions voter. Pour que nous ne pouvons pas voter en loi pour nous soutenir en sapit aujourd'hui. Merci. Nous mais et comme le président dit, il prend note et qu'il va former une commission rapidement pour aller travailler sur la question. Bon, merci, président. Alors, sur le rapport, moi-même, et pas pour une première fois, mais il y a des remarques importantes et pertinentes que en pile collègue qui précédait me l'a fait déjà. Et gros paquet de phrases, franchement, nous ne pouvons pas replacer, nous ne pouvons pas venir chercher là. Mais président, m'a parlé. Alors, le rapport n'a pas paginé, non? Même après le 2. En l'ipaginé, excusez-moi. L'ipaginé, en fait, au haut de la page. Bon, président, moi, je vais regarder. En fait, je dis, il y a confusion dans la société. Hein? Parce que tout le temps, chaque fois, on a demandé ce qui est légitime constitution, nous y est. Ok, mais c'est ça, remarque, c'est justement ça lié. Je ne vais pas parler de Miko. Remarque, c'est justement ça lié. Dans le deuxième paragraphe, dans le troisième paragraphe, dans le contexte et justification, monsieur le commissaire, bien que je tende, il y a un commissaire qui souhaite faire remarque et que vous tenu compte de toute remarque pertinente et judicieuse qui fait. D'où, nous avons demandé des nécessités, président, pour gagner. En fait, on nouvelle lecture parce que si nous demandons pour enlever une série de bouts de phrases et que le commissaire est d'accord, il faut qu'on ait une nouvelle lecture de eux parce que nous ne pouvons pas voter comme ça. Même pour demander pour que le commissaire ajoute pour moi dans contexte et justification les prescrits de la Constitution de 1987, nous avons demandé de mettre la Constitution de 1987 amendée parce que je dis à gagner. Gagné en confusion, tout chaque fois, tout le monde a questionné pour nous dire ce qui légitime la constitution. Donc, même si c'est faut qu'il a ajouté à amendé, et l'a fait que phrase là est pas seulement complète, mais n'a plus ou moins capable de situer nous côté nous. Merci. La parole est accordée au député de Maïsad, Romel Bogé. Merci. Romel Bogé. Et je rappelle qu'il y a des considérations qui ont été faites. C'est de tout. Exposer des motifs. Ça va beaucoup, j'aime faire ici. Merci. Président, membre bureau, et commissaire, ministre, secrétaire d'État, et monde qui accompagne le ministre. Et président, tant que tout collègue qui passe là, moi, je perdu dans ça parce que je ne comprends pas les normes d'accessibilité. Hein. Et pour moi, que encore c'est ministre des Affaires étrangères et vivant à l'étranger qui l'a cap défendre question ça. Ministre des Affaires sociales. Affaires sociales, excusez, merci. Président, merci. Deuxième l'autre bagaille, président. Commissaire, vous parlez de appréciation et puis fiabilité dans le rapport que vous avez là. Non, l'autre côté, vous parlez de faiblesse. Donc, je suis perdu là, moi-même, dans le rapport, dans la méthodologie. Ce qui a permis de déceler des faiblesses de nature légistique dans la formulation de certains articles. Moi-même, perdu dans la partie ça, président. Troisième appréhension, président. Et commissaire, je ne pas parler tout à l'heure de l'article 169 de la Constitution. Et comme collègue socialiste. Et souligner la constitution amendée 1, même dans le rapport là, moi, article 136, donc vous voulez qu'on ait, est-ce que de 169 ou bien 136, que, ou bien c'est pas dans le rapport avec lui. Merci. S'il n'y a pas d'autres considérations, la parole donc, est accordée. Président, tout à l'heure, vous avez fini, et le commissaire a parlé de pour nous voter le rapport ça, donc nous pas qu'à voter le janvier là, et président, je pense qu'il faut que des petites corrections qui pour porter là dans le livre, ou bien nous prenons un petit. Temps pour améliorer le rapport là, et puis le ça, n'a pas un vote à rapport ça, mais sinon c'est bon allié là, on croit que toute assemblée a projeté le rapport. Merci, président. Bon, et je pense que vous ne pouvez pas vous exprimer au nom de l'assemblée. La parole est accordée au député Manès. Merci.
Honorable président et membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, distingués commissaires, Madame la ministre, Monsieur le secrétaire d'État et distingués cadres du cabinet. Alors, je voudrais justement corroborer ou soutenir maintenant la position du collègue Rommel et en ce qui concerne la recevabilité de ce rapport. Moi, j'ai parcouru le rapport et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup d'impropriétés, de thèmes dans le rapport. Mon collègue Bossé l'avait déjà signalé et il y a l'article 136 qui n'est pas en relation avec le texte, le projet de loi. Donc vous demandez d'enlever. Et alors, il y a autre chose, par exemple, à la fin, à la page 4, et on a la page 4, par exemple, il est dit que le vote de cette loi contribuera sans nul doute à changer la vie dans la cité. Là, je pense que c'est une exagération. Donc, on ne peut pas, à travers ce texte de loi, changer la vie dans la cité. C'est comme si, à travers le vote de ce projet de loi, on va résoudre le problème du chômage. Donc, écoutez, mais attendez votre tour, collègue Alfredo. Alors moi, un instant. Donc, je pense que collègue Géry, s'il vous plaît, votre le rapport place, collègue peut Olivier, être, votre le rapport également. Peut être recevable en la place. Forme, moyennant que la commission accepte d'enlever les phrases boiteuses. Et puis, par exemple, l'article 136, à condition de que, moi je pense que si la commission accepte de faire ça, donc l'Assemblée pourra, et sans problème, et voter maintenant et favorablement le rapport de la commission. Oui, sanctionner. Merci, Président, sanctionner. Merci, et je rappelle qu'il y a un ensemble de considérations, de propositions, de demandes d'ajout, etc., qui ont été faits. Nous demandons à la commission d'en prendre note. Et sur ce, la parole est accordée au député de Pétionville, l'honorable Thierry Tordieu. Et je rappelle que nous sommes en train de sanctionner un projet de loi qui a été soumis par l'exécutif. Merci. Merci, Monsieur le Président, chers membres du bureau, distingués commissaires, honorables parlementaires, Madame la Ministre. Gardez ça comme longtemps. Bon, faut obéir, quoi. Président, j'ai noté dans votre discours, lorsque vous avez accédé à la tête de la Chambre, votre désir de toujours mettre la qualité en avant. Lorsque je regarde les interventions opportunes de mes collègues sur les vices de forme, sur les phrases boiteuses, pour répéter notre collègue Manès, je dirais qu'il y en a trop pour qu'on puisse simplement les corriger. Ça me rappelle ce que disait l'autre. Une erreur politique est une erreur politique. Deux erreurs politiques, c'est deux erreurs politiques. Trois erreurs politiques, c'est une ligne politique. Il y a trop d'erreurs dans ce rapport pour qu'on puisse les corriger et considérer que c'est un rapport valable. Donc moi, ce que je propose, Président, prenons l'exemple simplement à la page 2, au deuxième paragraphe. La commission n'a pas lésiné sur les bords. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends que les commissaires avaient envie de dire que la commission n'a pas lésiné sur les moyens. Mais, Président, ceci ne va pas empêcher à la République de vivre. Mais si nous voulons donner l'exemple comme législateur méticuleux et soucieux de la loi, Monsieur le Président, je pense que la raison nous commande de demander aux commissaires de corriger ce rapport, car sur le fond,
il n'est pas si mauvais. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Et la parole est accordée au député de Port-Salut. Merci. Et je rappelle qu'il n'y a aucune proposition jusqu'ici. Aucune proposition n'a été faite. Donc il y a eu des points de vue, des opinions. La parole au député de Port-Salut. Merci, Président. Président, membre bureau, collègue de l'Assemblée, ministre, secrétaire d'État. Avec Kadio, commissaire. Président, nous donnons de toute intervention qui sont passées au président. Un instant, collègue Sénat. Collègue Alfredo, s'il vous plaît. Juste avant de commencer, président, ce n'est pas commissaire seulement. Mais moi, bureau, on marche pressé la fait, président. Nous avons souhaité un ralenti. Et président, et j'en ai toujours dit, vous êtes sur le rapport? De collègue Sénat. Êtes-vous sur le rapport? Mettez pas l'embouchement fini, président. Non, mais je demande. La fond introduction. Je demande. Bah, ma coup de savoir quand le président. J'enlève le mot. Oui, président. Ok? Ça veut dire, nous besoin, vrai président, nous besoin bilan. C'est pas vous seulement comme président. Toute assemblée a besoin de bilan. Mais il faut pas que vous bien fait. Il n'est pas même important pour nous faire séance sous loi, je ne vous dis. Il y a trois problèmes dans la société. Nous avons supposé séance dans la fête. C'est pour nous montrer que c'est dans le simple plan de Zoti. Président Mali, nous avons des collègues Jerry, je félicite les collègues Bossé parce que la majorité a commencé à prendre forme call et je félicite ça. Et il n'a pas accepté toute bagarre qui a passé. Président, nous avons des toutes les qui précèdent le président. Il y a deux angles là. Rapport à carbone, le cas super bon. Si nous avons besoin de confirmer, nous sommes troisième branche de l'exécutif, rapport à la velle. Mais si c'est vrai, nous sommes le Parlement, nous sommes les chambres des députés, nous sommes pour qui ça, après toute intervention enchaînée, ça au président, nous sommes obligés à continuer à parler sous lui. Tout le monde est clair qu'elle n'est pas bon. Ou avez dit pour noter, petit bagaille, dit, etc. C'est bon, pas bon globalement, le président. C'est à 100% le pas bon, oui. Si nous avons besoin de commissaire, il refait le travail, je ne sais pas si c'est 4 heures dans la barre, si c'est 2 heures dans, pour proposer un bagage qui est plus ou moins potable. Je n'ai pas besoin de projet, nous avons 2 heures dans. Nous connaissons des nègres qui ont produit un rapport là, l'humeur qui a fait l'un et l'autre. Vous comprenez, etc. Non, mais ce exemple, je vais. Président, je pense que c'est l'île, président, pour nous stopper ça. Parce que toute intervention, majorité et minorité, allaient dans le même sens. Motion accordée au député Nozéis. Oui, bah Nozéis, c'est vite. Elle est d'abord. Monsieur le président de la Chambre des députés, madame, messieurs les membres du bureau. Honorable collègue de la Commission, collègue de l'Assemblée, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs. Alors, quel est l'objet d'un rapport de commission? Quand la Chambre est saisie par un projet de loi déposé par l'exécutif, en réalité, ce qui se fait, c'est que le bureau, non seulement, justement, c'est une motion, le bureau transmet le texte à une commission qui va l'analyser. L'analyser pourquoi? Pour permettre à l'Assemblée, au moment de la présentation du rapport, d'entrer dans le texte, c'est-à-dire de comprendre le texte. C'est-à-dire, ce que disait le collègue qui m'a précédé, c'est-à-dire approfondir le sens du texte pour pouvoir voter. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes de sémantique, des problèmes de forme, de phrases mal faites, etc. Mais ce ne sont pas des choses qui doivent obliger l'Assemblée de renvoyer une séance, d'avoir une commission... Je crois que les... Non, une motion. Collègue Nozéis, poursuivez. Une motion, c'est ça. Poursuivez. Une motion. Merci. Je crois que c'est essentiel. Pas motion. Picasso. Laisse-moi terminer, Gagné. Laisse-moi terminer. Poursuivez. Prenez la parole. Moi, je pense... Bon, comme le président n'a pas accordé, je continue.
Le président n'a pas accordé l'explication. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Oui, mais restez à vos places. Restez à vos places. Restez à vos places. Je crois que le collègue qui m'a précédé. Sur quoi? Il n'a même pas encore. Mais laissez-moi terminer, monsieur. Il n'a même pas encore exprimé son point de vue. Oui, c'est moi. Allez-y, collègue. Allez-y. Mais je n'ai pas fini. On ne peut pas demander mon son d'ordre. Il n'a même pas encore exprimé son point de vue. Justement. Attendez. Voilà. Un peu de discipline. Le président n'a pas accordé la parole. Il n'a même pas encore exprimé son point de vue. Je crois que un peu de discipline, monsieur. Collègue Lozéus. Oui, alors je termine pour dire que le collègue. Le char. Le collègue qui m'a précédé ici l'a bien fait remarquer. Il a dit au fond il n'y a pas de problème. Au fond il n'y a pas de problème. Donc nous sommes au point 5 de l'ordre du jour. La parole. C'est qui? Merci. La parole est accordée au député Jacques Saint-Louis. Non mais votre nom est inscrit sur la liste. Oui. La parole au député Jacques Saint-Louis. Et je rappelle, c'est un ancien vice-président, un ancien président de la Chambre des députés. Hein, eu égard à son rang, la parole lui est accordée. Merci. Merci. Je demande au secrétaire d'enregistrer les prises de parole, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du bureau, mes chers collègues, je suis à la tribune ce soir, c'est juste pour signaler à votre attention que le pays va très mal. Le pays se porte très mal. Nous avons une situation qui se développe au niveau de la frontière, au niveau de Ansapide et Pédernal, qui demande une intervention urgente de la part du gouvernement. Nous avons une situation quotidienne. Lorsque nous allons à l'aéroport, il y a des centaines de jeunes qui laissent le pays pour prendre l'avion vers le Chili ou vers d'autres cieux. Clément. Monsieur le Président, je pense que nous autres de la Chambre des députés, qui sommes les représentants du peuple, nous avons pour devoir de convoquer le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, puis Ovin dit nous, qui sait au penser de phénomène ça yo? Qui programme que le gouvernement gagne en place face à fuite de cerveau ça yo? Dans un temps où des grands paquets pour traverser frontières en masse, puis à travers leur champ de canne, etc., ça n'a pas de fait, mais c'est une fête. Mais qu'on y a, il y a encore plus grave, parce que la majorité de ces gens qui jeunes qui ont là, ils ont un braquet d'âge de 17 à 28, 29 ans. Et en pile là-dedans, ce sont des philosophes, ce sont des gens, des jeunes qui ont l'université, qui ont même qui diplômé déjà même. Qui j'ai un gouvernement qui ça l'a fait pour contrecarrer le problème ça? Je pense que M. le Président, faut bureau a écrit pour un ministre. Et toi, ministre, comme ça te cité, hein, j'ai bien dit convoqué. Pour demander qui ça a pensé, qui ça a fait. Et nous-mêmes, si on a besoin des instruments légaux pour appliquer ça pour appliquer, nous sommes là comme législateurs pour nous capables de voter loi ça. Merci, M. le Président. Merci. Et je rappelle que nous sommes aux questions d'intérêt général. Aucune motion ne sera accordée. Merci. Et sur ce, la parole accordée au député Bélange. Merci. Bon, en fait. Merci, Président, mes membres du bureau, collègues de l'Assemblée. Alors, Président, moi, remercie vous pour aux prises de parole que vous accordez moi et surtout et préséance que vous permettez que en sapide gain après-midi hein, justement pour nous poser problème non problème en sapide gain. Alors président et chers collègues,
Moi, j'ai commencé déjà pour me dire qu'en sapit nos situations difficiles depuis hier à 9h du matin, après un funérail et en fait qui était dans la République dominicaine, et puis t'es des machines sonores qui te prend la rue, qui t'a demandé pour tout haïtien quitter territoire dans 24 heures. Président, collègue de l'Assemblée, dans 15 minutes, Dominicains ont commencé à massacrer haïtiens, battre haïtiens, coup de couteau, coup de manchette. Président, une situation de panique qui gagne dans un sapit. Je fais tout parler avec le magistrat là, il dit que la situation est toujours compliquée, côté que haïtiens continuent à venir pas bande et pas paquet, côté que yo pas gagne moyen. Collègue Lansot dit que en sapit mandé jodi an support gouvernement tant sur le plan diplomatique, parce que problème nan son problème li, c'est pour un rapport de force. Nous pas capable dit que nous pral résoudre problème nan par la force. Même penser président par la voie diplomatique, nous gon ministre affaires étrangères et nous gen ministre haïtien vivant à l'étranger qui fait là, je pense que ça a vraiment concerné le tout. Mais cependant, nous besoin président inviter ministre défense là, inviter ministre affaires étrangères pour que nous vienne garder. Oui, parce que nous besoin ministre défense là, parce que jodi an là depuis bloc 10h, il y a plus que 500 soldats dominicain qui renforcé quantité que ont gagné déjà dans frontière. Et ceci soldats ça ont vini, yo pas vinn calmer situation. Yo vini justement pour renforcer système sécurité yo et continuer faire chasse aux haïtiens dans tout coin, dans toute localité, dans jardin côté haïtien yo té qu'on a travail. Donc président, comme vous te promettez ça déjà, n'a demandé au président dans niveau assemblée, dans niveau bureau, hein, pour rapidement, j'en ont te promettre rien pour que nous formons une commission dans niveau chambre députée, hein, rapidement pour que nous garder, nous fournissons garder situation haïtien à vivre jodi an dans en sapit. Président, moi pensais que c'est préoccupation pas comme député jodi an, mais c'est préoccupation nous chaque qui là comme collègue moi. Donc, comme haïtien, avec situation compatriote nous yo, à vivre jour et jour, face à répression, nous connais qui j'ai quitté pays là. Nous connais que c'est face à situation économique qui pas bon. Mais yo va chercher la vie, président. Moun sa yo jodiyan, yo couri, c'est sauve qui peut. Ça veut dire si y a 4-5 moun kap couri. Si yo kembe youn, l'autre 4 la obligé continuer courir, parce que si yo kembe la mouri tout, sauf qui peut. Kote n'a parlé là, nous pas dénombrer, nous pas capable énumérer, nous pas qu'un chiffre pour nous dire qui quantité moun qui mouri. Et ça yo apprendre moi président, chaque moun là ou fin tuer moun yo dans la rue là yo prend yo mettez au sous mon dossier, yo al jeter ou enragé. Donc président, son situation qui vraiment difficile, son moment qui vraiment difficile que compatriotes nous a traversé, et surtout dans frontière en sapit, dans circonscription que me représente là, président n'a demandé pour que rapidement j'en te promette li pour n'al fournir garder pour une commission parlementaire al fournir garder et pour nous garder qui réponse et que nous capable bail sur le plan diplomatique avec la République dominicaine et qui type de support que nous pral porter pour moun sa yo, parce que c'est des moun qui couri quitter tout ça au déposé. Président m'a fini pour me dire qu'on connaît paysan pas gain canebank. Canebank yo c'est bête yo garder. C'est bourrique yo, c'est cheval yo, c'est cabrit yo, c'est jardin yo. Je dis hein, des milliers d'haïtiens qui t'ap travaillent sur territoire dominicain, yo quitté tout ça yo te possédé pour sauver la vie yo. Ça qui pas mourir yo. Président, encore merci une fois. Merci, la parole est accordée. Merci président de Grand Gouave. Merci. L'honorable Jean-Marcel Lumière. Et je rappelle au niveau du bureau que nous sommes déjà en train de travailler sur cette problématique. Donc nous allons permettre aux honorables députés de s'exprimer sur les grands dossiers d'intérêt général. Merci.
Merci, Président. Moi salue bureau, moi salue tout collègue. Président, moi salue mon ancien secrétaire général, chambre députée, Monsieur Madeleine Fizemé, qui est dans la salle avec nous. Président, je seulement regrette que tout député dans l'Assemblée n'est pas présent dans la question qu'a débat après-midi, question d'intérêt général. Moi pense qu'il est d'une importance considérable par rapport au fait que pays, ça a aujourd'hui, président, nous tout prêts, un éclatement social. Aujourd'hui, président, une situation anarchique qui a développé dans le pays, côté que nous avons même rivé dit son pays qui n'a pas de gouverne, pas de monde qui a mené le président. Moi, je voulais prendre le fait que moi, j'ai regardé à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, que il y a un communiqué qui émane de Premier ministre là, qui révoque le président en loi. Un communiqué, un simple communiqué révoqué en loi. Donc nous y abroger en loi. Qui s'allie président? Nous avons un problème avec les agents douaniers aujourd'hui, depuis plus que 11 semaines qui en grève et ces agents là-dedans yo gagnent qui te gagnent des armes à leur disposition qui étaient reconnues par un texte de loi voté par le Parlement en 2013 et publié dans les journaux officiels. Tout le monde connaît président dans la hiérarchie des normes que c'est une loi qui a abrogé une autre loi. Or, ce texte tient encore debout et un simple communiqué dit désormais que ces agents ne sont plus autorisés à circuler ou bien apporter leurs armes. Ça, c'est son premier remarque. Tout en n'étant pas d'accord avec la situation qu'a développée dans le douane, on nous prend car un commerçant président qui a importé des matières premières pour arriver à faire production ou bien produit qu'il a bâillé. Et depuis plus que 8 jours, on a une situation que ces produits sont bloqués. Matin, m'a tendu un camarade avec pitié qui a contribué dans la production nationale, non parce qu'il a parlé de production de production de poules. En d'un pays, il dit tout ça, il a gagné, il a mouru comme poule parce que il n'a pas joindre une matière première qui permette que il existe. Donc, ce problème qui méritait une intervention d'urgence du président et du gouvernement. Ou non, situation, côté qu'on paquet d'entreprises déjà qui commence à faire n'importe quoi parce que production y a fait. Matières premières ou c'est importé pour importer yo et yo gen des commandes que yo pas ka respecter. N'a parlé d'un pays qui besoin investissement, mais journée aujourd'hui n'a fermé porte à l'investissement parce que lorsque un investisseur produit fait une commande et que il pas gen possibilité pour le respecter commande là pour le joindre bénéfice de livraison à temps, et ben li pa gagne Haïti qui intéressé, li gagne qui côté l'a joindre production ça dans délai qu'il besoin qu'il capable soulever la président. Moi pense que nous devons attirer attention gouvernement sur le fait que produit national noir il y a deux éléments qui composent le temps comme t'as dit tout à l'heure nous en contact commerce. C'est production qui fait ces produits faits localement plus les importations. On nous connaît qui situation de production nationale pour son local noyé. Nous avons un pays qui plus tourné vers l'importation. C'est qui pral provoquer président on demande de devises pour approvisionner et pour acheter les biens importés. Ou gen une mesure, très bonne mesure du gouvernement qui prend mais son mesure moi penser dans moment qui était non nécessaire. Parce que jodiyan, si nous allons sur le marché, gagne un phénomène d'hyperinflation qui continue à développer.
Parce que lorsque vous pouvez acheter un produit à l'extérieur, ce n'est pas avec la goutte que vous pouvez l'acheter. C'est avec le dollar. Automatiquement, le dollar devient un produit. Or, si ce produit devient rare sur le marché, on va devoir augmenter le prix d'acquisition de ce produit. Le prix du dollar, c'est le taux de change. Celui qui va importer le produit avec un dollar qui a connu une valorisation par rapport à la goutte, une augmentation au niveau du taux d'échange, et mais Libral ouais que coût de revient produit là li augmenté et qui va payer les conséquences, ce sont les pauvres gens de la population que nous représentons. Jodi à président, moi quoi il est temps, il est nécessaire tant qu'on pile collègue qu'a soulevé là que nous inviter, nous avons même convoqué le gouvernement à travers son premier ministre, à travers son ministre de l'économie et des finances, son ministre de commerce et autres, pour que des mesures urgentes capables d'envisager pour éviter que le pays s'assombre vers la catastrophe. Merci, président. Merci. La parole est accordée à présent au député Abel de Colline de Mirmalet. Monsieur le Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, pour reprendre mon collègue Luméran, je tiens à saluer le bureau qui a permis que nous soyons à ce point à l'ordre du jour, puisque très souvent, gagnant de collègues qui pensaient intérêt général, moi je dis gagnant, pas trop important, même quoi. D'extrêmement important, puisque c'est l'occasion, pas de la divergence politique, non, pour nous survoler, voire exprimer ou encore proposer des éléments de solution par rapport à situation pays. Président, nous écoutez collègue, nous Bélange, qui soutient en chapitre, puisque l'actualité haïtiano-dominicaine, c'est surtout du côté de sa circonscription, mais c'est de manière conjoncturelle. Et vous le savez, Monsieur le Président, problématique haïtiano-dominicaine, non, il est une question quotidienne. Peut-être c'est parce que il y a un pile de monde qui est blessé, ou de centaines de monde y a voué tout nain qui fait l'y occuper la scène médiatique. Mais chaque jour, il se passe malheureusement des situations difficiles pour nos compatriotes, que ce soit ça ou qu'ils vivent difficilement sous territoire dominicain. Et à côté de la problématique haïtiano-dominicaine, malheureusement, survient depuis tantôt 2 à 3 ans la problématique haïtiano-chilienne, qui est devenue on l'autre plaie, qui a terni image pays ça, on l'autre problématique qui malheureusement renvoyait à moun kap gade de l'extérieur que nous sommes un État en faillite ou un État où la gouvernance à tous les niveaux, Monsieur le Président, les laisser à désirer. Moi, quoi, c'est important pour conjoncturellement, effectivement, nous adresser problème ça. Formons une commission parlementaire qui pourrait aller en chapitre. Mais, Président, la problématique haïtiano-dominicaine et celle Haïti-Chili, moi, quoi que de façon structurelle et structurante, faut nous aborder au plus haut sommet de l'État. Et j'ai parlé tantôt de problèmes de gouvernance. Et tout ça n'a vive là, yo, en Haïti et la République dominicaine, ces problèmes de gouvernance que nous gagnons dans le pays, nous. Nous pas produits. Mais on nous prend question rapport entre deux pays. Yo. En 1999, vous le savez, Monsieur le Président, sous la présidence
de l'ancien président René Préval, il était bâti naissance avec la commission mixte haïtiano-dominicaine. Et dans le protocole qui avait donné naissance à cette commission, il a été dit, à chaque fois, gagnent deux problèmes qui posaient en deux pays, eh bien, commission ça, son commission permanente, qui pour au jour le jour, a travaillé sous toute situation. Eh bien, force est malheureusement de constater, monsieur le président, commission ça, li existait, puisque l'actuel président, monsieur Jovenel Moïse, un premier déplacement qu'il a fait à l'étranger, c'était à visiter le président dominicain Danilo Medina. Et cette commission a été relancée. Tout récemment, monsieur le président, où tu fais partie de monde qui t'a conduit en importante délégation, qui t'alle en République dominicaine, le président dominicain, non, dans ses propos, il dit, l'attendre que l'autorité haïtienne yo réactualisé commission ça pour que de problèmes qui doivent poser en deux pays yo pour y opposer. Donc cela dit, dominicain dit lui-même bon côté pâle, li connaît une commission ça qui existait, mais du côté haïtien on a l'impression c'est chaque fois gagné un problème, gagne moun qui mouri et puis c'est le a yo voyé par qu'on est on émissaire et yo dit ambassadeur est arrivé en chapitre et consul arrivé en chapitre, mais après trois jours les bagailles ça pas parlé encore, y a tant qui leur pour gon l'autre problème. Et c'est en ce sens, monsieur le président, pour le Chili c'est la même chose. Lors de la visite de madame Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, avec président Jovenel, gagne une commission mixte qui créait. Mais force est malheureusement de constater, alors que nous gagnons plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui ont quitté le pays à aller au Chili, mais non seulement au niveau de la gouvernance, nous paraissons pas trop préoccupés, mais un changement de gouvernement au Chili. Là encore, moi crois, l'été important. Par rapport à ça, Chili vient nous représenter en termes de géopolitique pour pays nous, pour même président Jovenel t'a fait déplacement. Et le cas échéant, établit un cadre de travail pour qu'on ait Chili comme pays souverain. Si à un certain moment, il était l'ouvri porte pour que Haïtien y aille, mais je ne changer de paradigme, pour que nous ne pas quitter Mounio, y a humilié. Monsieur le Président, m'a fini pour me dire, sous question ça, moi, appuyer l'idée pour nous t'a réunis dans cette assemblée, Premier ministre, si gagne toujours, ministre Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, bon, collègue dit ministre de la Défense, m'a accepté libre. Écoutez. Merci. Monsieur le Président, je terminerai. Une minute. Et sous question ça. Président, une minute. Et bon paquet d'autres problèmes, Président. Collègue de Colline, s'il vous plaît, vous pouvez toujours revenir à la charge. Ah, très mais bien. Vous ne pouvez pas monopoliser la parole. La parole est accordée au député Bossé. Merci. Merci, Président. La parole au député Jean-Robert Bossé. S'il est encore dans la salle. Sinon. Ah, merci. Vous êtes là. Merci, monsieur le président. Monsieur le Président, collègues députés, Président, chers collègues,
m'a gardé nouveliste Josian, président, tout indicateur au rouge. Plus d'un milliard de gourdes de manque à gagner dans les douanes. Grève des douaniers. Transactions en gourdes. Dédollarisation. Manifestation des lycéens en plusieurs endroits. Président, c'est des signes évidents, clairs, dont l'État malade. Président, mis à part, Josian, ce n'est pas un député de l'opposition, mais son député qui en quête de consensus auprès de mes collègues, contrairement à la position que j'avais adoptée les deux dernières années de mon mandat. Moi, pas obéi, mais je suis en train de dire à mes collègues que nous sommes tous embarqués sur le même navire. Si le navire fait naufrage, nous périrons tous. Monsieur le Président, merci collègue, merci. Un minimum de sérénité. Marché boulé, 20 000 gourdes distribuées à des pauvres commerçants, pour la plupart qui gagnent endetté tête à hauteur de 1 million, 2 millions, 3 millions de gourdes auprès des institutions de financement bancaire, etc. de la place. Commune, yo président, section communale, yo totalement abandonné, dépourvu de moyens pour accompagner des mouns qui n'ont section, qui n'ont besoin extrême, monsieur le président. Président, à moins de 5 mois du début de cet exercice fiscal, le gouverneur de la banque lui-même a accepté que nous accusions un déficit de 9 milliards de gourdes pour le gouverneur et pour d'autres économistes, l'y avoisiné de 14 ou 15 milliards de gourdes. Donc, si nous étions à information de la Banque centrale là, et si ça bral de train que nous avons, nous capables aisément. Compte tenu qu'il y a 4 mois, qu'il y a 3 fois 4 mois dans 12 mois, nous avons aisément multiplié les 9 milliards de gouttes par 3. Nous avons capable de souhaiter que ce n'est pas ça. Au terme de cet exercice fiscal, accusé un déficit de 27 milliards de gouttes. C'est la catastrophe, monsieur le président. Monsieur le président, Chili. Moi-même, moi, honte, monsieur le président. J'ai demandé plusieurs fois au cours de différentes interventions que j'ai faites sous plusieurs antennes radio. Moi, j'ai demandé à mes collègues députés de toute tendance pour qu'ils te font passer dans le CIO Power pour qu'ils voient le désespoir. Moi, passé, moi, ouais, des jeunes, monsieur le président, comme si, tu vois, dis bon vagabond. C'est nous qui mettons nous dehors dans le pays, nous c'est des étrangers, pays n'est pas pour nous. Je vais quitter le pays, nous bon vagabond. J'ai honte, monsieur le président. Il faut, c'est une lecture, monsieur le président, que me fait sous visage, comme l'a bien précisé mon collègue Lemeran. C'est vraiment, vraiment difficile, monsieur le président, des jeunes de 18, 20 ans, 15 ans, avec des petits moun sous braille de 10 ans, qu'accompagné de 10 ans ou de 3 mois ou de 6 mois, monsieur le président, il y a parti pour un pays étranger que va chercher on la vie meilleure, une situation que pays au pabayo que nous-mêmes comme élite dirigeant comme responsable nous pas offert.
Monsieur le Président, parce que pas gain aucun contrat sous question migration entre Chili et la République d'Haïti. Monsieur le Président, pire, c'est que dans le titre Nouvel Islam, il a dit moins nombreux les Haïtiens continuent de s'envoler vers le Chili qui n'a pas changé ses règles d'admission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, après refoulement d'environ 169 de nos compatriotes qui étaient dans un aéroport pendant près d'une semaine, il paraît, selon le nouveliste, que ils continuaient à embarquer vers le Chili. Pourtant, le ministre des Affaires étrangères l'a accepté au cours d'une interview hier ou avant-hier qu'effectivement, il n'y a pas d'accord sur la migration avec le Chili et que probablement le gouvernement chilien est en train de préparer un accord en conséquence. Donc, Monsieur le Président, c'est encore de la peine pour compatriotes. Monsieur le Président, chers collègues, entreprise autonome nous yo fraîchement modernisé, nous pas gain état financier pour yo à date. Et c'est à des contributions énormes, Monsieur le Président, dans le budget république là. Monsieur le Président, m'a noté point yo et puis finalement m'a le conclu pour nous dire qui ça nous doit faire face à un pays cap tendé nous. Monsieur le Président, gouvernement dit nous apprendre par l'entremise de plusieurs ministres au niveau de plusieurs ministères que des millions de gouttes récupérées sous la belle de chèques zombies. Monsieur le Président, à notre reconnaissance et de grand public là, pas gagné de arrestations spectaculaires pour montrer très clairement qu'il y a une lutte vraiment cap menée contre ces corrompus et ces corrupteurs dans la République là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, insécurité en général, comme tout à l'heure, collègue Bellance, t'as parlé, Bellange. Monsieur le Président, c'est pareil pour Akin. Monsieur le Président, nous songer, alors, moi mandé auprès de collègues Moyo et on l'est adressé à Bureau pour la formation d'une commission vraiment spéciale, Monsieur le Président, d'urgence, sous question insécurité dans Akin, insécurité foncière, et ça qui a passé dans le tribunal là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dimanche, c'était funérailles, un doyen qui passait 25 ans dans le tribunal à Akin et qui était fraîchement promu juge dans la cour d'appel, mais qui a à peine fait 4 mois au cas et qui est mort. Monsieur le Président, un juge qui relait Osmon Castor, lui fait radiographie de système ça à Akin, lui pas utilisé le mot pourri, mais lui juge, lui condamné mon yo. Lui dit son tribunal qui pas fonctionner, son justice totalement dysfonctionnelle. Yon juge d'instruction, Monsieur le Président, li rele Osmon Castor, qui gen le courage, peut-être le seul ou bien deux, m'pas connaît, mais c'est lui qui a le courage de le dire au vu et au su de toute assistance qui était là au cours de funérailles doyen Claude Michel, Monsieur le Président. Merci. Donc, Monsieur le Président, je termine deux minutes parce que là, vraiment. Président, faut me conclure parce que... Vous pouvez toujours revenir oui, à la charge. Oui, Président. Donc, une minute merci pour terminer, Monsieur le Président. Merci. Donc, Président, il y a urgence vraiment, Monsieur le Président, de monter tout de suite cette commission à côté de la commission pour enquêter sous question en sapit là, que me soutenez fortement, Monsieur le Président, pour nous travailler sous question ça. Monsieur le Président, m'a fini pour me dire, devant toute situation ça, Président, nous avons un ministre de la Justice qui a eu une interpellation pendue sous tête malgré que je ne suis pas signataire. Mais ça mettait ministre dans une situation de dysfonctionnement total, avec inconfortable, pour répéter collègue Alfredo de Kinskoff, très confortable. Et puis, Président, avec un commissaire gouvernement qui très clairement montré qu'il est en rébellion avec l'autorité ministre. Donc, Monsieur le Président, je recommande à mes collègues pour sauver ça, nous capable de sauver au début de troisième année mandat noir de
convoquer le gouvernement dans son entièreté, Monsieur le Président, pour reste semaine qui était nous là, Monsieur le Président, pour traiter l'ensemble de ces problèmes, pour dire à la population qu'ap tande nous là, qu'ap garde nous, que nous pas abandonné yo mandat que yo ban nous an ap servi avèl pour servir les intérêts de la République. Merci, Monsieur le Président. Sur ce, merci beaucoup. La parole est accordée au député de Port-Salut. Merci, collègue Bossé. Je rappelle, en deux occasions, ces préoccupations ont été soulevées et les deux commissions vont être formées dans le plus bref délai. Merci. Collègue Sina, vous avez la parole. Merci, président. Président, collègue, yo, membre, yo. Et sans pas faire répétition, président, parce qu'il y a deux collègues là, tant que collègue Jacques Saint-Louis Bélange, Duméran Abel, Bossé, etc. Faire deux approches. Et m'a juste touché deux trois là-dedans. Par exemple, pour le problème Chili, m'a rejoint et collègue Saint-Louis, me pensait, après mon fin de semaine, en dedans et porte là, yo refoulé, yo pas bon ici, président, même mon monde dans l'ambassade de l'autre bois, pas même à l'oué. Moi, spécialement, me dévoué docteur Kafin à l'oué, 11 ans, même à l'autre bois. C'est comme si, diplomatiquement, pas gagné des représentants à l'extérieur. Nous avons souhaité jour après les affaires étrangères, j'ai une proposition et Jacques Saint-Louis pour nous faire le vini avec Mounsa. Ah bon, c'est ça, m'a le connaître, ça m'a le questionner là-dessus. Ok, président. Président, pour le problème en sapit là, et je pense que le problème là, il n'y a pas en sapit seulement, président. Je pense que face à face nous avons avec la République Dominicaine, il n'y a pas fait, président. Sous nos chambres des députés, même si chambre des députés n'a pas supporté, nous faisons visite en République Dominicaine avec collègue Guéda, collègue Gagné. Nous avons fait face à face avec responsable président. Des fois, on trouve de bonne foi, mais nous même pas bon ici, nous pas à la hauteur, président. Nous pas gagné de monde qui pour faire discussion. Sous nos chambres des députés, moi-même, moi fais propre démarche, moi, et me délague sous groupe là. Nous avons lettre représentant Amérique au PSOMS te voye félicité pour leadership moi dans le domaine sanitaire la président. Nous cherchons l'argent de $300,000 pour faciliter femme enceinte accoucher boy ici au pas traverser. Je ne dis est-ce que on bagarre qui fait? Non. Est-ce que ministère de santé publique li agit sous ça? Non. Femme enceinte nous toujours al prend humiliation, tourner en sapite. Nous avons deux femmes enceintes qui mourent devant l'hôpital de l'autre bois. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à prendre soin au bois la caipane. Malgré nous-mêmes, ici, à la Chambre des députés, nous faisons des démarches. Nous jeunes de moyens. Moi, je n'ai pas jamais gardé caissé. Le ministère de la Santé publique n'a pas jamais voulu faire rien. Nous continuons à traverser à prendre humiliation l'autre bois. Est-ce que si nous le ministre de la Santé, là, est-ce que vous avez le président? Je ne sais pas. Si nous convoquons, est-ce que la majorité est d'accord pour la convocation en fait? On ne sait pas. Jodia, moi félicite bureau qui monte dans la dimension ça pour comme si poser problème. Problème qui a ravagé la société, problème qui très commun, journée jodia. Ça veut dire, République Dominicaine, non, pense, et vis-à-vis, il faut qu'il y ait de monde qui a fait. Président, moi tourne vers bureau. Après une déclaration ministre environnement de la République dominicaine, fait qui dit nous-mêmes là, c'est de l'eau latrine n'a boue. Nous demandons pour le ministre santé pour environnement dîner pas, venir répondre à la question là. Nous voyons là-bas au président, ou pas jamais invité. Convocation pas jamais faite. Est-ce que c'est pas cautionner, n'a pas cautionner la situation? Moi, invité pour me dire, depuis le mois de décembre, la commission santé a demandé pour aller enquêter, pour aller faire des bagages, pour aller tester de l'eau. Depuis le mois de septembre, même en février, mes coups, président, je dis pour le ministre, vient là, pour venir dire est-ce qu'il a fait test sous de l'eau. Nous parlons en même temps, le ministre environnement là-bas dit que c'est de l'eau latrine n'a boue. À 95% dans la zone métropolitaine, non, c'est de l'eau ça n'a boue. Est-ce que Kounia, bureau, n'a pas cautionné la situation ça? Président, je tourne sous encore. Mon interpellation faite, président. Bureau pas fait.
Est-ce que nous avons aujourd'hui, c'est majorité a seulement gain droit ou minorité est-ce qu'elle pas gain droit aujourd'hui pour le ministre pour questionner sur ensemble de problèmes que population a confronté. Nous-mêmes qui côté nous sorti, c'est en dedans population. C'est ça que chaque jour nous souhaiter nous arriver dans point intérêt général là. Président nous écrit au président sous ancien président Matéli qui désapprouvait la police. Nous voyons Dieu, mais qui est-ce pour inviter là? Viens répondre à une question. Nous n'avons pas fait. Énième fois. Ah, je vais jouer Alfredo. Je n'ai pas parlé de sérieux objet. Je vais parler de Wall Bureau, président. Là, moi-même, comme député, moi, dans l'Assemblée, moi, écrit, moi, dit, j'ai besoin d'entendre tel ministre. Pour qui ça, bureau n'a pas fait suivi ça? Même j'en le fait dans l'interpellation, même j'en le fait, président. C'est député nous y est. C'est nous qui avons proximité avec la population, plus parce que Kazek, magistrat, sénateur, fort pression député à prendre, ce n'est pas lui, l'autre élu à prendre. Mais président, nous n'avons pas le souci de BRH, nous avons un déficit. 9 milliards, président. Nous écrivons, nous disons les ministres financiers, venez avec BRH, venez expliquer. Est-ce que le déficit a continué à faire tout au long et année fiscale là? Mais président, est-ce que vous faites invitation? Non. Je ne veux pas dire que souhaité bureau, assemblée à tout, mais bureau en première position pour nous-mêmes nous montrer population que nous avons accompagné dans l'ensemble des situations que confronté dans le moment. Ça. Président, nous écoutons toujours sous bagay cash management, non, en imparfait. Nous connaissons Gwantik en dans budget qui dit chaque trimestre faut ministre bon mon rapport me connaît est-ce que vous dépensez comme ou bien est-ce que vous gagotel c'est rôle pan comme député 73 merci collègue alors que député Manès ensemble avec nous mando ça député Exantis mando ça encore président 9 milliards bon trimestre président. Est-ce que nous multiplions par 4 ou bien nous multiplions par 3? Est-ce que c'est 4 fois 9 là qui va dire que 36 milliards chaque trimestre pendant l'année? Mais c'est des bagages qui concernent comme député. Je ne veux dire moi-même, avant m'indexer pouvoir, avant m'indexer et munitions, moi indexer nous-mêmes députés. Est-ce que nous jouons rôle nous jouons aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas nous qui quittons la chance pour nous galoper dans le pays? C'est rôle nous pour nous contrôler yo et ben nous même dans l'assemblée nous fait demande là bon côté président et bien parlons en bio président pour semaine qui venir pour nous pour un jour dans semaine là au moins pour nous faire débat sur ensemble de problèmes que population a confronté n'a privé sous marché collègue vous parler de merci collègue sénateur de pour salut. Ah, un instant. Avant même de la feuille, avant même d'accorder la parole au prochain intervenant, collègue Alfredo, s'il vous plaît. Collègue Alfredo. La parole est accordée selon une priorité, c'est-à-dire il y a une liste. Non, il y a une liste. Merci, je rappelle qu'il y a une liste. Merci, collègue Alfredo, collègue Sinal, collègue Manès, collègue Abel. Merci. Donc, concernant l'intervention de l'honorable député de Port-Salut, qui a pris soin d'indexer le bureau, donc je rappelle que conformément au règlement intérieur de la Chambre des députés, lorsque 5 députés, 6 députés, 10 députés, et conformément également à la Constitution, décident d'interpeller un ministre ou un premier ministre ou un membre du gouvernement en général, donc le bureau doit soumettre la demande d'interpellation à la conférence des présidents. Et je rappelle qu'il y a eu une conférence des présidents qui avait été organisée. La conférence des présidents ne pouvait pas trancher ni fixer un instant, ni trancher ni fixer une date. Donc, qu'il plaise à la conférence des présidents de prendre... Non. La conférence des présidents avait décidé
La conférence des résidents avait décidé. Collègue Lotio, s'il vous plaît, vous n'avez pas de motion ni de prise de parole sur le président. Merci, collègue. Donc, m'a rappelé encore une fois, dans le cas de la conférence des présidents, c'est ça le règlement intérieur chambre n'a demandé. Les gens demandent d'interpellation pour fixer la date là, faut soumettre à la conférence des présidents. C'est ce qui a été fait. La conférence des présidents était dans l'incapacité de prendre une décision, était dans l'incapacité de fixer une date. Nous avons permis aux quatre blocs d'aller et en concertation pour pouvoir prendre une décision afin de donner une date au bureau. Donc, non, mais le président ne peut pas fixer la date de facto ou de façon autoritaire. Donc, autre point. Bon, qu'il plaise aux quatre présidents de bloc, qu'il plaise aux quatre présidents de bloc de fixer une date. Asseyez-vous, collègues. M'a vini. Donc, m'a vini. Pour la lettre qui a été acheminée, donc B.A.B.A. de la procédure parlementaire, les un groupe député écrit ou conformément à règlement intérieur, ou bien deux choix. Soit ou transmettre notre là à la commission, parce que la commission santé ici, je rappelle, la commission finance ici à tout pour la lettre du député exemptus, je rappelle, et à ces deux commissions, il y a deux lettres qui ont été acheminées. Aussitôt que je recevoir la lettre, donc, pour la demande d'invitation, ce n'était pas une demande de convocation, pour la demande d'invitation, il y a une lettre qui a été acheminée au ministre concerné. Donc, pour l'affaire de Martelly, la lettre a été adressée, je crois, au président de la commission justice et sécurité publique. Il n'est pas dans la salle. Merci. La parole va être accordée au député Tertius. Instant et collègue Sinal, et ce sont les quatre lettres que le bureau avait adressées aux différents ministres concernés. Donc le député était en voyage, il n'y a aucun problème. Merci. Collecteur TV Salis. Honorable président, membre bureau, collègue assemblée, président, premièrement, félicite bureau pour parce qu'il ban nou espace pour nous capable faire débat et pour nous poser problème pays. Et pendant que nous avons posé problème pays, il n'y a pas gagné question de ni bloc majoritaire, ni bloc minoritaire, ni opposition. Ça, c'est le problème pays à nous poser là. Là, c'est là, mes collègues Lotu. Eh bien, nous commençons, collègues. Eh bien, si vous n'avez pas d'émotion, moi d'émotion, collègue. Collègue Tertius, pas d'émotion. Eh bien, très bien. Merci. Président. Moi-même, j'ai des remarques. J'ai un atelier qui a le travail dans l'hôtel Oasis. Ils ont préparé 11 projets de loi pour nous capables voter. Mais pas oublier, 4 juillet, nous avons voté une résolution pour nous capables créer sacré le Front parlementaire contre la faim.
dans le pays. Mais dans 11 projets de loi au président, il n'y a aucun projet de loi qui est relatif à la sécurité alimentaire dans tout ça que nous avons mené. Or, aujourd'hui, le monde même a confronté des gros problèmes. Sans les changements climatiques là qui est phénomène migration particulièrement pays d'Haïti président toutes jeunes nous gagnent qui pour aller Chili qui pour aller Brésil qui pour aller Venezuela etc en Argentine son problème travail son problème grand goût or nous gros ministère agriculture sécurité alimentaire jusqu'à présent m'poko jamwe rien k'ap régler sur le plan agricole dans pays a collègue yo te mandé pour yo te capable inviter ou bien convoquer plusieurs autres ministres moins que yo pas cité ministre agriculture m'pa konn pour raison par le fait que quel que soit gouvernement qui pas qu'à satisfaire ça que l'autosuffisance alimentaire ça son gros problème lié pour pays or agriculture que nous considérons comme base économique pays mais pour nous capable faire avancer mais en vertu des lois mais si nous pas gain des lois pour nous capable voter pour promouvoir secteur ça que nous gagnons 80% moun kap evre là-dedans et président nous gagnons des terres tout nous gagnons des terres qui vraiment fertiles qui capable produire manger pour tout pays à manger bon garanti président depuis vraiment gon politique agricole dans pays là dans moins que 3 ans nous cap produire manger pour tout haïtien manger or problème qui gagne problème qui gagne encore gagne un produit OGM manger que mon rap manger bay mon yo cancer yo bay yo fait yo diabétique or agriculture biologique là en Haïti nous fait et pas oublier dominicain yo vinn point des champs animaux yo pour y al produit manger la caillou yo tandis que nous gagne yo là nous pas ka utiliser yo problème pays a nous gagne bac yo qui c'est bioagricole communal yo qui c'est catalyseur ministère agriculture c'est au moyen des bac yo pour qui al joine paysan yo mais jusqu'à présent tout bac était inactif ça qui fermait ça l'état pas ca payer yo obligé mettre yo dehors ça veut dire bac yo il a fait bac. Ça veut dire que, président, dans le prochain menu qui pourra le gagner, on suggère que, faut gagner des lois, ou bien propositions, ou bien projets de loi, qui n'en menu, qui relativement à sécurité alimentaire. Et, président, je félicite Bureau encore, pour belle initiative qu'il prend, pour nous capables de poser problème pays. Et là, je me dis encore, là, nous posé problème pays. Nous n'avons ni opposition, nous n'avons ni bloc majoritaire, c'est problème pays à nous poser. Et ça concerne nous tous. Merci, président. Merci. La parole au député de Gouman, l'honorable Fouché. Collègue Foucheri, vous avez la parole. Après, ce sera le tour du député de Savanette, Clôture et Jacques Saint-Louis. Après ça, nous allons continuer à l'isla. Merci. Salut le président, salut le membre bureau. Salut les collègues dans l'Assemblée.
Zami, année ça a des problèmes qui là non. Vent craser toute flemme gros. Vous êtes sur la liste. Vent craser tout, jeter toute flemme gros, pas gagne encore ni mi balai tout côté net. A dit année ça on va dans record. Vous êtes là dessus. Vous sur liste là. Oui, nous t'a parlé après deux interventions. Voilà. Président, allez-y. Président, il y a un pile collègue qui défilait là qui parlait de un pile sujet, un pile dossier d'importance capitale. La question, est-ce que n'a pas parlé pour parler, est-ce que n'a pas débattre pour débattre, ou bien question d'intérêt général ça, nous fait là, n'a pas dit 1, 2, 3, 4, mais qui ça n'a pris comme décision. Nous parlons de un chapitre, et là me félicite député Abel Dicoline, député, un peu l'autre député qui est intervenu. Mais gon bagay, gon bagay, mwen vle mete accent sou li jodi a. N'a parlé de problème grand goût gen nan peyi a, n'a pas de problème la jeune gen nan peyi a. Mais m'a pati attention nou sou on fait. Pendant n'a parlé de problème en République Dominicaine. Est-ce que nous connaît nous gagnons des centaines ou des milliers étudiants en République Dominicaine qui a mette visa chaque fois visa au fini. Il y a de monde chaque fois au malade là au cours en République Dominicaine, il y a des jeunes, il y a de monde qui a l'acheté. Mais écoute. Est-ce que mes amis s'il vous plaît, Tatius. Est-ce que on connaît que jodia? Un instant, que, collègue Fritz. Collègue Tatius, collègue Abel, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que on connaît que jodia? Dans moment n'a parlé à yo pour mettre un visa pour aller en République Dominicaine au besoin $350 t'aller au besoin $350 soit le prendre dehors ça qui grave là si c'est ambassadeur elle mettre le $375 mais est-ce qu'on connaît là en décembre là c'est $140 de besoin. On parle de questions économiques, on parle de la caillou. Donc, je dis, c'est ça. Dans une semaine, on a passé $1,000 américains. Ça dit, c'est hémorragie dans notre montre là. Ça veut dire, si nous ne prenons pas de décision. Et deuxièmement, le par exemple, on a posé problème chilien parce que l'aspect que des collines étaient oubliées là, dans l'aspect ça. L'aspect des collines étaient oubliées. Le qu'on y a, nous pas résoudre problème diplomatique. Nous pas fait échange avec le gouvernement. Nous connaissons qui problème qui pose. Pour sortir ici, les jeunes pour aller chercher la vie, pour arriver au Chili et pour aller pimper le tourner, c'est environ $1,900 américains. Il a besoin. Comme ça perdu. Donc ça veut dire, les jeunes n'ont pas une responsabilité qu'on y a, puisque nous pas gérer la question diplomatique. Pour nous connaître clair, pour nous dire jeunes que nous ne pas recevoir la frontière, et le gouvernement chilien a bloqué la question. Et bien, qu'on y a pour pas chercher l'argent, gaspiller, qu'on y a monté avion, puis pour refouler. Donc, c'est $1,900 américains, dans le pays côté nous, pas de quoi, et c'est la vie meilleure qu'on va chercher, et nous pas de chance encore. Donc, nous pensons que question que nous avons posée, parce que moi, nous avons viré entre invitation, convocation, interpellation, je pense que faut dire clair qui ça n'a fait. Est-ce que nous prenons n'a convoqué et qui est-ce n'a convoqué et qui ça nous prend le parler? C'est pas le moment chaque monde va le dire mais petit problème que me gagne. Mais nous parler de problème pays à problème collectivité. On va le ban nous dit on va qui passer. Est-ce que nous songer dans déclaration politique générale premier ministre. Nous t'ai parlé de problème jeune, nous t'ai parlé d'intégration de la jeunesse. Nous te dit et nous écrit bureau nous te dit faut que gon nettoyage qui fait dans l'administration de l'état faut que chef gouvernement cherche qu'on est dans chaque direction dans chaque ministère combien moun mes amis faut nous gè renouvellement de cadre faut nous rajeunir l'administration publique là gon paquet moun qui gen 30 40 ans dans l'administration publique là. Yo bloqué administration et puis nous pas ouvert voie ba jeunes qui qualifiés qui gagne master non mais ça veut dire que
Je dis, est-ce que ça fait au niveau de l'administration? Là, on a parlé de jeunes filles de cerveau. Mais premier travail pour qui fait là? Combien contractuels qui gagnent l'administration d'État? Combien de monde qui présente vrai qu'elle fait job? Combien qui est à l'étranger? Combien de monde, je dis, qui est l'administration, c'est soutenir pour y aller dans l'administration et on continue à toucher alors que l'âge de retraite est dépassé depuis 20 ans, 25 ans. Et puis, jeunesse, ça, n'a plein rien pour lui. N'a plein, et puis nous allons toucher la plaie du droit. Avant, très bien, et collègue Sinal, qui nous fait nous-mêmes comme un acte artificiel. Je dis, nous sommes au mois de mars. Il y a 90 députés qui réunis là. Ils ont voté le budget. Nous faisons proposition. Nous disons que chaque case, chaque cartel, alors chaque section communale doit gagner 1 million de goudes. Et c'est la justice pour la première fois. Il y a un investissement que le Parlement voté pour investir dans la section communale. Je dis à est-ce que vous cartel, est-ce que vous section communale qu'on est qui recevoir comme ça? 1 million. Mais c'est le Parlement. C'est son acte législatif. Son acte législatif, 90 députés étaient là. 89 députés étaient votés pour proposition qu'on a fait. Pour voter par chaque section communale 1 million de gouttes. Mais, n'a pas rappelé. Dans le budget 16-17, dans le budget 16-17 que nous votons là, budget rectificatif, nous votons 3 millions de gouttes pour chaque commune en notre pays. 3 millions de gouttes pour chaque commune dans le pays. À date, pas un magistrat, pas une commune. L'agence a débloqué. Dans 17-18 encore, 7 millions votés. Ça veut dire, ça passe là. Donc ça vient faire 10 millions en raison de 1 million pour section communale. Mais c'est grave. Nous, pays a chargé le problème. Alors, si l'on arrive dans la commune, pas de gagner activité qu'a fait. On a parlé de déficit tout à l'heure. Mais c'est une question qui doit concerner, qui doit interpeller chaque collègue pour nous connaître qui s'est passé. Si Kabouette l'a collé quelque part, et bien si c'est nous pour qui aider le gouvernement pour nous débloquer Kabouette, la fond. Donc, c'est plus qu'important, Président, que Jodiali est important, et plus qu'important, nous n'avons pas quelques questions que nous avons soulevées que nous avons besoin de réponse à qui. Donc, on l'autre fois encore. C'est qui ça n'a fait avec une question intérêt général là? Est-ce que c'est parler pour parler? Merci. Qui ça n'a pris demain si Dieu veut comme décision? Qui ça n'a pris jeudi comme décision? C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci, collègue Foutchéri de Gaumont. Et la parole, collègue Tertius, la parole au député de la Vallée, l'honorable Lossio. Merci. Merci le Président, Monsieur le Président, les membres du bureau, collègues députés. Collègue Baudelaire, collègue Alfredo, collègue Woody Deville. Collègue Woody Deville, s'il vous plaît. Collègue Baudelaire, collègue Alfredo. Allez-y, collègue Lothio de l'OPL. Bon. Collègue Alfredo, collègue Bélange, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Président, je souhaite entendre en pile député. Moi, je dis en pile député préposé à contrôler l'action gouvernementale et qui paradoxalement a vint plein là. Et là, je me demande qui l'est négocié à quitter faire démagogie. Qui l'est négocié pour faire démagogie, monsieur? Nous sommes pris 186 millions pour nous faire carnaval. Nous pas même gain décence pour nous comprendre que nous pas ca cautionner carnaval pendant que lycée yo pas gain banc pour tout monde chita et nous pas même mandé ministère culture rapport même 18 novembre 2000 nous jouons moyen en pays qui n'a pas les épaules assez solides, même pour supporter
petit minimum ça nous gagne comme défi. Nous jouons moyen louer un Boeing pour aller au cap. Et c'est député accélérateur qui monte la donne. N'a pas vu plein là. N'a pas vu plein là. L'André là en janvier 2016. Jodi a nous convoqué un seul membre du gouvernement. Nous sommes avocats, on a défendu toute la semaine journée. N'a pas vu plein là. Qui est-ce qui a quitté démagogie, monsieur? Qui est-ce qui a quitté démagogie ça? Qui l'en a quitté démagogie ça? Beaucoup je me saisis comme ça, je suis des députés, à une plein ici, plein ça. Je ne comprends pas, monsieur. Beaucoup je me comprends, monsieur. Non, mais écoutez, monsieur, on est en nous. On est en nous. C'est trois zones qui sont là, oui, monsieur. C'est trois zones qui sont là, oui. Non, mais madame, c'est ma toute députée là. C'est ça, moi. Mais écoutez, monsieur. Nous ne pouvons pas dire comme ça que nous sommes députés. Hein? Nous acceptons que nous votons budget. Il n'y a pas même bon rapport sur des dépenses. Nous votons budget encore. Nous votons quoi pour la caille nous. Il n'y a pas de caisse. Nous avons défendu le gouvernement. Et puis nous avons vu là. Monsieur, pas mon tête, je ne pas mon tête. Merci, merci. Un minimum de sérénité, s'il vous plaît. Un instant, un instant. Oui, 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 merci. Collègue Lauture, prenez place. Non, vous ne pouvez pas laisser la salle. Je suis désolé. Merci, collègue Bossé, de prendre place. Collègue Sinal, collègue Exantus, collègue Jovenel, collègue Bossé, collègue Tertius, s'il vous plaît. Collègue Tertius, merci, merci, merci. Collègue Alfredo, collègue Sinal, collègue Bossé, merci. Avant même de vous permettre de continuer avec une autre série d'interventions, collègue Womel, un instant, collègue Jovenel, lui, collègue Tertius. Collègue Tertius, s'il vous plaît. Collègue Bélange-Pierre, merci. Avant de prendre une deuxième série d'interventions, nous allons permettre aux quatre blocs. Collègue Alfredo, s'il vous plaît. J'appelle le vice-président de la PH pour consultation. Collègue Guerville. Collègue Guerville qui est dans la salle. Nous allons travailler sur les deux commissions qui doivent être formées, commission sur un chapitre et la commission sur les exactions commises dans la circonscription d'Aké. Donc, selon la configuration politique de l'Assemblée. Un instant. Merci. Collègue Guerville. Collègue Woody Deville, je vais vous accorder la parole après. Vous êtes le prochain intervenant. Oui. Attendez. Merci, collègue Woody Deville. Collègue Exantus, à défaut de Woody Deville. Collègue Jackie de GPS. Collègue Pidou n'est pas là. Collègue Vickerson de GPEP pour consultation. Collègue Exantus, à défaut de Woody Deville.
Merci. Donc, après consultation avec les quatre présidents de bloc, nous allons former les deux commissions. D'abord, une commission sur la problématique frontalière, donc les événements qui se déroulent. Bon. Merci, et sur ce, nous allons demander au bloc APH de soumettre les noms des trois membres choisis après consultation avec le vice-président de l'APH. Comment? 7. Deux commissions de 7 membres, le bloc majoritaire 3, les autres blocs 1-1, et puis le bureau va envoyer un représentant. Donc, merci. Merci au vice-président des blocs politiques. Nous allons poursuivre avec le débat de cet après-midi. Donc, les deux prochaines interventions seront celles du député Woba et la Tortue. Oui. Vous êtes sur la liste également. Merci. Nous demandons au député Guerville Wilner député conséquent, vous allez prendre la parole. La parole vous sera accordée. Il s'autoproclame député conséquent. Donc, à ce titre, je l'appelle député conséquent. Jackie, collègue Jackie de la Gonave, venez approcher, venez auprès du bureau. Donc, nous sommes en train de former deux commissions. Une première commission qui se rapporte à la problématique frontalière, donc les différents événements. Collègue Sina, s'il vous plaît. Restez dans la salle. Merci. On va terminer, c'est sûr. Donc, collègue Guerville. Collègue Guerville. Les trois membres du bloc majoritaire. Trois membres du bloc majoritaire. Un membre du bloc GPS. Collègue Jackie. Vous avez choisi qui? Les deux noms. Collègue Gagné, vice-président. Merci. Nous demandons aux députés de prendre place, s'il vous plaît. Le bloc député OPL et allié pour ses deux représentants aux deux commissions.
OPL est allié. Merci. Nous demandons aux représentants du bloc Vérité au PL et Alliés de nous soumettre les noms des honorables. Merci. Ok. Merci aux honorables et de collègues conséquents de gagner de place. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. La parole va être accordée au deuxième secrétaire avant le bureau d'abord. Je rappelle que les différents blocs. Collègue Alfredo, s'il vous plaît. Collègue Woba. Merci de prendre place. Merci. Je demande. Non, c'est sûr que vous allez prendre la parole, mais asseyez-vous. Donc, deuxième secrétaire, merci de donner lecture aux deux. Commission de donner lecture des différents noms, s'il vous plaît, des deux commissions, c'est-à-dire les noms qui figurent au sein des commissions. Allez-y. Pour la commission qui doit aller à Ansapit, Jacques Saint-Ville, honorable Jacques Saint-Ville. Honorable Jacques Saint-Louis, honorable Gladys Saint-Jean lundi, honorable Tanis Tertius. Un instant, ça c'est pour quelle commission? En chapitre. Donc, merci, allez-y. Honorable Jacques Saint-Louis, honorable Gladys Saint-Jean lundi, honorable Tanis Tertius, honorable Elias Petit Frère. Honorable Hermogène Daniel, honorable Léman Premier, honorable Willer Jean. Pour Akin,
Honorable Jovenel Louis, Honorable Fritz Chéri, Honorable La Tortue Jacob, Honorable Joseph Manès Louis, Honorable Fekier, Honorable Hermano, Honorable Bonhomme. Merci, collègue deuxième secrétaire, le micro. Merci, collègue deuxième secrétaire. Bon changement, là. Merci, collègue deuxième secrétaire. Et je demande de façon célère au secrétaire général de prendre les dispositions qui s'imposent, visant bien sûr à mobiliser les moyens permettant aux deux commissions de se mettre au travail. La parole au député Desbonaïfs. Après, ce sera le tour du député de Kay Lavache. Collègue Oba, prenez place, s'il vous plaît. Monsieur le Président, madame les membres du bureau, collègues de l'Assemblée, Président, moi t'ab dit que l'intervention est inopportune et sans objet pour la simple et bonne raison que les collègues qui précédaient là, dont le collègue Fritz Chéri, qui épuisait en grande partie l'intervention maintenant, et le collègue Lauture, qui les mêmes font questionnement d'importance. Questionnement d'importance pour qui ça? Parce que, en tant que parlementaire, nous avons deux attributions. Légiférer, faire loi, et contrôler le pouvoir exécutif. Donc, je crois que nous n'avons pas pour nous plaindre. Nous avons attribution dans ces faits loi. Et puisqu'il y a notre mission de contrôle, c'est nous pour exercer, nous n'avons personne qui va exercer pour nous. Si nous n'avons pas exercer, nous n'avons pas pour nous plaindre là. Même parce que quand même, Président, c'était important pour m'être intervenu, malgré que objet d'intervention maintenant censé épuiser, mais qu'on aspect que moi que pas touché du tout, Président, dans toute intervention que faite là. Président, il y a 3 semaines et même plus, à travers toute la République d'Haïti, des jeunes filles et de jeunes garçons, particulièrement ceux-là qui sont dans les lycées, à travers les rues, tantôt Gonaïves, Cap-au-Prince, à Jérémy, partout ailleurs, à travers les rues chaque jour, à manifester. Et nous sommes au mois de mars, à quelques mois de fin d'année scolaire, là, par l'examen officiel, dans, tant au niveau fondamental qu'au niveau maintenant du secondaire. Nous n'avons rien pour qui ça? Parce que pour vous, vous pas venir travailler. Pour vous, pas venir travailler, pour qui ça? Parce que vous pas touché. Comme on a fait un pays, que des gens qui sont dans la salle de classe, des professeurs, qui pendant 3 ans, 4 ans, qui affectent dans la salle de classe, qui ne peuvent recevoir aucun émolument. Qui motivation pour recevoir ça? Qui calque dans ses mains qu'il a dispensé à nos jeunes, jeunes qui appelés à assurer l'avenir de ce pays, Président. Président, je pense que c'est important, je vous dis à là, Jean Fritz Chéri, je vous dis tout à l'heure, alors collègue Fritz Chéri, je vous dis tout à l'heure là, ce n'est pas intervenu, ni micro pour intervenir, ni micro pour nous dire question d'intérêt général, question d'intérêt général. Je pense que ensemble d'interventions faites là-haut, tu as supposé faire un ensemble de réflexions parlementaires pour nous dire quelles sont les dispositions qui seront prises après séance ça là par rapport à tout questionnement qu'on a au président. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, je pense que tout au moins, il faut le faire objet maintenant d'invitation au Parlement pour venir expliquer pourquoi ça pour ne pas toucher. Président, je pense que ça n'a pas fait, c'est pas pour nous, mais c'est pour l'avenir de ce pays, Président. Merci, Président. Merci, collègue Clovis Aubin. Honorable Président, membre du bureau, chers collègues, juste avant de faire intervention, je fais un point pour un collègue député qui n'est pas dans la salle là, mais qui a une urgence qui pour point fait pour lui, qui est collègue et Chalito, nous tous relé Chalito, qui est député de Torbec. Chalervé, nous tous relé Chalito, c'est député de Torbec. Il y a 2 commissions qui fait là pour aller enquêter en Sapit et Akin. Pour problème Akin, c'est pour Mounio décapité.
Actuellement là dans Tobèk, il y a deux jeunes garçons qui décapité, m'voyé image sur téléphone ou président sous garder kounia wa pou yo. Donc si a fait deux commissions, une pour Sapit, une pour Akin, faut gon troisième commission fait pour aller Tobèk immédiatement parce qu'actuellement là gen kay kap boulé, gen moun kap mouri parce que gen deux jeunes garçons, yon nèg qui soi-disant on gan dans zone là, yo coupé tête tout de yo entre yo dans la cour la Kali et peuple a déterré yo et y a boulé kay dans zone là tuer moun. Donc étant donné moi-même, moi c'est député du peuple, m'pa pe égoïste pour me dire c'est député au cas qui la vache, on bagay comme ça passer même les collègues Charlito pas là pour me ba revendiquer pour lui. Donc moi mandé pour une commission faite spécialement et rapide au presto pour aller dans circonscription Tobèk Chantal, particulièrement dans commune Tobèk et dans zone qui est les Guillem. Dans zone qui est les Guillem pour enquêter sur bagay ça parce que c'est gros malhonnête qu'a fait la kaya pour les moun a mouri. Merci. Je rappelle aux députés qui a déjà une commission qui va se rendre dans le sud. Donc la commission va en profiter si vous voulez pour travailler sur ces cas que vous venez de relever. Merci. Okay. Merci collègue de gagner votre place. Non, je n'ai pas encore fait mon point au président. OK. Moi-même président et moi aussi consterné et aussi tavlé rendre tête moi coupable de problèmes qui gagne dans pays. Mais nous gagnons un moratoire que nous bail et gouvernement Moïse Lafontaine dans domaine dans le domaine immigration et émigration. Particulièrement dans la dérive qu'a fait dans Chili, dans Saint-Domingue, Brésil, Argentine et j'en passe. Pour qui ça? C'est parce que moi-même, malgré ma commission affaires étrangères, moi déplacé plusieurs fois comme étant député, m'allé non seulement dans le ministère des Affaires étrangères, moi WPM dans sous question ça. Et actuellement là, et ça fait depuis plusieurs mois, président Jovenel Moïse Gon, un an depuis le monté, que yo campé question nomination moun nan ambassadeur y a nettoyé yo. Nous pral garder nan ane kap vini yo, moun yo pral mettre est-ce que jeune qui étudie relations internationales yo, qui formé pour ça yo, est-ce que yo pral quitter yo à terre pour yo prendre des moun en fonction des amis taille, en fonction des moun qui ses amis députés, ses amis sénateurs, ses amis ministres, même là ou pas qualifié pour dérive la continue. Parce que je dis à fond, tu as posé la question, qui compte le problème nan ye? Si vous mettez un monde Saint-Domingue comme un consul qui là pour défendre doit ressortir ça haïtien en République dominicaine, moun n'a pas qualifié, même moyen de moun n'a pas fait, au lieu qu'elle tape faire ça comme il pas qualifié pour faire, c'est dans raquette, dans contre-monde de moun sa rentré. Comment Dominicain pour respecter haïtien? Moi-même, comme député, qui comprend que ce peuple-là que vous aimez, c'est pour lui venir travailler, m'a tête moins obligation. Pour moi, pas à le faire au premier monde par le népotisme qui pour dire parce que c'est député, faut que mettons un consul, un monde ambassadeur pour moi, même les monde pas qualifié pendant ce temps. Il y a des écoles de relations internationales dans le pays qui forment des mondes et il y a des jeunes haïtiens qui sont formés à l'étranger qui sont capables, moun sa yo pas jamais insérés dans le système. Non, c'est des mondes qui rentrent là-dedans qui pas même à la hauteur. Mais nous connaissons que le président Jovenel c'est un algain, nous avons été là avant le gouvernement. Ça, merci. Nous avons gardé dans l'année qui vient. Est-ce que vraiment le gouvernement ça qui là, est-ce que les opral mettent les gens dans la place après vous? Est-ce que vous ne prenez pas les gens en fonction de la capacité? Laissez-moi terminer. Je vais terminer, président. Président, je vais terminer. Terminez, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, non sans ça. Moi, dans ce sens, moi demande à tous les collègues députés. Terminé. Pour terminer, moi, pour me conclure, je demande à tous les collègues députés et à tous les collègues sénateurs pour nous-mêmes, pour nous retirer tête nous en bas épée Damoclès. Pour nous parler, proposer aucun monde dans la diplomatie. Pour nous quitter le gouvernement, choisir des gens en fonction de compétences, pour nous mettre dans la diplomatie et ne pas remplir la fonction en bien de ça, pour nous prendre la propre responsabilité, nous-mêmes pour exercer le pouvoir de contrôle. Merci, président. Merci. Je pense que c'est une brillante intervention et cette intervention doit être appliquée à l'administration publique en général. Merci. La parole au député. La parole
aux députés Hermano et député Alfredo. On va conclure après ces trois interventions. Député Baudelaire et député. Trois dernières interventions. Merci. Et je rappelle que le député Descay, un instant, vient de faire une brillante intervention et sa position doit s'appliquer à l'administration publique en général. Merci. Merci, président, mon bureau, collègue de l'Assemblée et collègue Ouba. Merci pour l'intervention, ça fait plaisir. Président, m'rale, c'est les problèmes posés dans le pays. Et pas oublier nous-mêmes, nous sommes représentants du peuple. Ça dit nous là pour nous suivre l'exécutif là. Que ce soit dans le niveau Bordeaux-Prince, que ce soit dans le service déconcentré. Et problème qui est dans le pays, si nous-mêmes, nous pas apporter contribution pour nous résoudre les question de jour en jour à compliquer plus plus. Et laisse à nous-mêmes qui contrôlons le gouvernement, nous-mêmes qui avons une relation avec les ministres, et nous avons trois gros problèmes dans le pays, je pense que si nous pas chita sur eux, pour au moins que nous réagissons sur eux, ça, libre à le faire, on va gagner une face pour le pays. Un, nous avons un problème dans le système d'éducation. Un prend comme exemple. C'est vrai que nous disons, dans plus manifestation, j'ai un collègue là, et Jacob Soudilan, a fait dans le pays, lycéens, toute l'école a fait manifestation attestant que les professeurs n'ont pas touché. Nous-mêmes, tout, en tant que députés, oui, nous tenons compte de ça. Nous tenons compte de ça. Mais le problème est posé tout. Parce que il faut garder tout, nous-mêmes, tout au niveau de la chambre. Non? Est-ce qu'effectivement, il y a des côtés qui ont problème posé, est-ce que des côtés tout problème, c'est pas créer un problème. Comment vous comprenez, président? Dans pile l'école qui a fait manifestation là dans le pays, ma, par exemple, là, quand même. La chapelle, lycée a fait manifestation. Pour qui ça? Pour vous, c'est pas touché. On lycée, il y a 21 professeurs là-dedans, il y a 19 qui nommés, il y a 2 qui pas nommés. Et chaque nommé, même quantité l'air, on m'a dit, bye bye. Ça veut dire que, au moins pour corriger l'État, il faut au moins que nous-mêmes nous fassions un effort pour nous faire sur ça. Et si nous prenons exemple, tout lycée dans le pays, on n'a pas de problème de poser tout côté. Quantité l'air, il y a plus de travail. Il n'y a pas de travail. Dans l'école fondamentale, les gens qui ont chèque dans la main, ils ont touché, ils sont à l'étranger, tout côté, ils n'ont pas de travail. Donc, comment résoudre l'État comme ça, pendant que les gens qui sont dans l'État n'ont pas pris responsabilité pour résoudre. Même parce que tout, nous-mêmes, en tant que parlementaires, il faut nous fouer, je nous garder, tout. Et ça, pour nous forcer les ministres à porter correction et laisser monsieur certains n'avoir un crédit dans le budget pour au moins que nous compenser les problèmes qui viennent dans le pays. Un problème la justice, président, ça va être chargé dans le pays. Parce que la commission éducation nous demande qu'il faut la bille. Un problème justice là. Tout côté dans le pays, on a tué, on a manchette. Bon, l'autre jour, on peut aussi la chapelle, côté pas jambe, on a gardé les amis, le tirer. Les gars marchent dans le figure comme ça. Aucun monde ne va gagner au deal. Ça veut dire au moins, même si nous disons système judiciaire, pas judiciaire indépendant, mais nous-mêmes, nous là, tout pour nous forcer au travail. Ça veut dire, sous base ça, moi, monsieur certain, on a regardé pour nous voir si le commissaire gouvernement qui a nommé dans le pays a un juge d'instruction. Le juge d'instruction n'a pas reflété la question du ministère de la Justice, mais le commissaire gouvernement, c'est le ministère de la Justice qui a nommé. Je pense que dans les quatre nominations, il a fait un monde pour mettre dans le pays, pour réguler le système judiciaire. Je pense qu'il faut nous faire, faut nous forcer à faire avec un peu l'équité. Troisième problème, c'est le problème de santé. Tout côté dans le pays a un problème sanitaire. Si on regarde dans le système, non? Nous parlons de une quantité de monde qui émerge dans le système de cap touché par le travail. Même parce que nous-mêmes, en tant que parlementaires, je pense que nous-mêmes, nous faut nous forcer et faut nous fouiller, faut nous garder tout problème qui est dans le système et laisser ça la permettre que nous portions amélioration par rapport avec ça. C'est pas ça, nous mettons fait tout ça capable, nous n'avons jamais résolu ce problème non, parce qu'il y a retiré, il y a mis, et même si le député au bas se dit là. J'ai un député à ce dire, l'important, le président est bien précisé. Non, pour l'administration publique. Non, non. Le général, c'est là, il dit, pas une blague là. Non, pas une blague là. Ça veut dire sous ça, je pense que consciemment, je pense que nous-mêmes, tout en tant que parlementaires, dans la circonscription, dans le niveau communal, il faut au moins que nous fouillons, nous gardions, nous gardions ça. Merci. La parole au député de Kenskoff.
Tchenskov, les Anglais et Baudelaire. Après ça, il n'y aura plus d'autres interventions. Merci, merci. Merci. Monsieur le Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, comme collègue Bélange déjà dévancé, moi-même partagé douleur que circonscription en chapitre a confronté parce que commune Kenskov, les limitrophes avec Seguin, qui sont localités qui dépendent du département du Sud-Est, et gain en pile monde qui habitait dans zone limitrophe ça dans commune main qui traversait qui allait dans département Sud-Est dans Tchot et dans Bélance dans commune collègue en sapit, merci. Collègue Alfredo, ne vous laissez pas intimider. Collègue Abel, merci. Collègue Alfredo, vous suivez. Pas du tout. Dans circonscription en sapit et qui a le travail en République dominicaine. Monsieur le Président, moi-même m'a demandé, collègue, c'est vrai que loi qui a incidence sur le budget, nous-mêmes nous pas capables de proposer. C'est un projet de loi qui est lié. Et m'a proposé parce que en pile moun sa yo ressorti sa haïtien yo qui quitté pays a qui a le travail en République dominicaine et les arrivé dans qui sa yo a le travail c'est dans question agriculture. Nous pour que nous proposer à gouvernement pour que yo même yo institué un fonds de développement des zones frontalières qui praler uniquement qui pral investir dans question agriculture pour que zone frontalière ça yo un fonds national collègue des collines ou a parler de fonds Union européenne mettez donc faut nous suspend dépend de blanc merci, on parle de un fonds local collègue Alfredo un instant ne vous adressez pas directement au collègue Abel adressez-vous à l'Assemblée merci. Monsieur le Président. Et très bientôt, m'a répondu collègue Sinal qui t'a fait une intervention parce qu'elle parlait de question de l'eau que un officiel dominicain t'a fait référence, dit que nous-mêmes en Haïti, que n'a consommé de l'eau qui n'est pas potable. Mais m'a rappelé collègue. Collection officielle côté ambassadeur dominicain t'a participé et me dit que c'est Aquafine que le taboué qui sont de l'eau locale. Donc si officiel dominicain t'a fait référence avec l'eau que nous-mêmes n'a consommé li capable. Merci pour cette publicité gratuite. Donc, la parole... Président, je vais finir, je vais conclure. Collègue Bossé parlait de que gagnait que gouvernement, que gon problème budgétaire, parce que gagnait. Collègue Alfredo, un instant. Collègue Goba, s'il vous plaît. Collègue Alfredo, vous ne devez pas indexer un député en particulier. Je vous rappelle que nous sommes aux questions d'intérêt général. Allez-y. Mais, ok. Donc, pour conclure, Président, donc, me renfermer dans la position que le bureau a déjà adoptée pour que la commission vraiment qui allait et porter secours et à l'enquêter sur le problème qui gagne dans la zone frontalière, ça. En chapitre pour que nous fassions des recommandations avec le gouvernement pour que au niveau de zone frontalière pour que gain plus investissement qui fait pour ressortir ça haïtien capable de rester la caillou pour le travail. Merci. C'est vrai que problème ça nous besoin stabilité politique dans le pays
Nous besoin climat qui serein pour bouleversement social qui gagnent capable résoudre pour problème ça capable résoudre définitivement. Merci. Merci député Jacques Létang. Député Daniel Létang. Vous avez la parole. Collègue Jess, merci de siéger, s'il vous plaît. Député Létang, et ça arrive, notre grand frère qui s'élève, oubliez-vous. Député Daniel Létang, allez-y. Merci, président. Mon bureau. Président, mon bagay, important qui attire l'attention. Il paraît qu'il pas attire attention aucun collègue dans l'assemblée. Nous constatons un phénomène de bidonvillisation chambre députée. Espace physique chambre députée. Juste à côté à là. Un instant collègue, je rappelle que ce problème est un problème interne qui non. va être posé qui va être non nous qui sommes va être dans posé. L'intérêt général monsieur. Collègue, je vous rappelle que nous sommes en direct à la télévision. Ce problème va être posé. Huit clos. Okay. Merci. Ah ben d'accord. Merci. Deuxième bagaille, président. Gagne quatre routes qui menaient pour venir dans la chambre députée là. Gagne route La Saline, gagne rue des Cazennes, rue Chandmas et route de Carrefour. Oh. Route de Carrefour. Non, pour l'instant, pour la chambre députée là, pour pas voie terrestre. Voie terrestre. Pas voie terrestre. Moi, constaté. Hein? Allez-vous, paysan. Collègue, terminez, s'il vous plaît. Moi, je voulais attirer attention chambre députée. Et chaque collègue qui l'a. Les pour nous venir dans la chambre députée là. Moi dis qu'il y a quatre routes qui mènent dans la chambre députée là. Mais nous-mêmes, nous disons ces députés nous y est. Et nous chaque qui là. Oui, c'est Jean-Louis qui te dit d'aller. Nous disons ces députés nous y est. Moi-même, moi pas député. Mon ami silence. Quatre routes ça yo. Je dis à la sous urgence dans la chambre députée. Ou besoin rentrer chez Mas, rue des Cazennes bloqué. Gon go tout la donne là, bois primature. Ministre travaux publics la descend là, premier ministre la descend dans zone là, député yo descend dans zone là, cadre dans parlement descend dans zone là. Maintenant, chaque jour nous dit n'a invité ministre, n'a invité cadre dans ministère pour qui ça nous pas fait exigence. Nous-mêmes qui dans l'espace chambre députée là pour route qui menait dans chambre députée pour réparer. Rue des Cazennes là. Rue des Cazennes. Rue Chandmas, là passer là son véritable galimatia. Sous gon urgence pas gain côté pour même courir. Si on t'a dit y a craser machine députée là ou bien y a fait des trois roches députée là contre ni pour faire à gauche ni pour faire à droite. Moi crois que bureau que nous mettez dans chambre députée là. Oh, ah mon cher. Moi-même, si pas grand rien qui fait, l'un jour qu'a vini yo nous répond faire invitation dans chambre député a, c'est deux grands nèg qu'a fait ou bien trois grands nèg. Ou bien deux grandes femmes ou bien trois grandes femmes. Maintenant, moi quoi li impératif pour gagner pour nous mettre costume député à sous nous monsieur pour nous connaître fonction parlementaire qui s'allier monsieur dame. Les nous inviter au ministre vin là pour collègue yo suspend al passer mais la tête ministre là dit ça c'est nèg bam et chaque fois ou même comme collègue parlementaire comme collègue député les inviter une commission inviter ministre là ou al passer mais la tête li les ça ou diminuer le pouvoir député. Et
Merci de terminer, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé, président. Mais il faut terminer. Non, mais je n'ai pas terminé. À un moment donné, je suis très abondant. Non, il faut terminer à un moment donné. L'autre point, président. Comme on dit, ces questions, il y a des questions qui concernent exclusivement la Chambre des députés. Mais il y a pile de choses qui concernent le bureau, qui concernent l'administration de la Chambre. Mais je me réserve le droit de poser ces questions à l'interne. Merci beaucoup. Merci. Et sur ce, nous allons mettre fin au débat. Nous allons mettre fin au débat. Nous allons mettre fin au débat. Il y a presque plus de députés dans la salle. Il y a presque plus de députés dans la salle. Je dirige une séance. Il y a presque plus de députés dans la salle. Je suis désolé. Merci. Je rappelle que la séance est en continuation. Il y a une communication importante qui m'a été acheminée par les membres de la commission Affaires sociales et du travail. Donc, je pense qu'ils ont été travaillés. Le rapport est prêt. Donc, demain, on va pouvoir statuer sur le rapport de la commission des Affaires sociales et du travail. On va sanctionner le projet de loi sur l'accessibilité de l'environnement bâti. Merci. À demain, collègues. La séance est en continuation.